bienvenue à mon aventure. Cette semaine, on va cuisiner quelque chose de vraiment spécial. Ce qu'on appelle un steak de cowboy. Waouh, on va manger l'histoire. Fait que restez à l'écoute parce qu'après, on va manger l'histoire. Puis ça, c'est rare que ça arrive. Et puis, on va passer après la recette, on va passer à la soudure. Cette semaine, j'ai fait beaucoup. J'ai pas mal avancé ça. J'ai fait 2 bases de barbecue. La semaine prochaine, je devrais être bon pour en faire une 3e. Alors, ça avance bien. Fait que, on s'en va manger l'histoire. Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose de vraiment spécial. On appelle ça du steak de cowboy. C'est typique des cowboys des années fin 1700, début 1800. Ben, toutes les années 1800, en fin de compte. Là. Quand ils emmenaient le bétail d'une place à l'autre, des fois, ça lui prenait plusieurs mois. Fait que c'était bien basic ce qu'ils faisaient comme bouffe. Ben ça, c'est quelque chose qu'ils faisaient. C'est typique à eux. C'est carrément du steak, une tranche de steak qu'ils prenaient. Étant donné qu'il n'y avait pas beaucoup d'ingrédients, mais il y avait toujours de la farine. Ils prenaient de la farine avec un peu de sel, un peu de poivre. Moi, je rajoute des épices à la steak parce qu'on l'a, pourquoi pas. Et puis, ils trempent le steak là-dedans. Ils font cuire ça dans un poêle de fonte avec un peu de beurre. À ce moment-là, ils prenaient du gras de bête directement. C'est surprenant comment c'est bon. Puis en plus, on apprend l'histoire en faisant manger. C'est-tu pas incroyable, ça? Fait que, on va faire ça, puis vous allez voir, c'est surprenant comment c'est bon. Avec ça, pour accompagner, on fait des patates outils dans le poêle. Ça va-tu ensemble? Je sais pas à peu près. Fait que c'est ça. Aujourd'hui, on mange un repas typiquement de cowboy. Fait qu'on y va. Bonjour. Bon, ben cette semaine, on recommence la soudure, on commence la fabrication des barbecues. Cette semaine, on recommence à monter la base de mes nouveaux barbecues que je vais lancer ce printemps, qui arrive assez vite, fait que faut que je me grouille un peu. Fait que c'est ça, on part là-dedans. Je vais commencer par assembler les morceaux qu'on avait coupés il y a 2-3 semaines, là, avant d'avoir la marde blanche qui nous tombe sur la tête. Fait qu'on part ça. Alors voici, ça c'est les morceaux qu'on avait coupés pour la base de mon barbecue, qu'on a coupé il y a quelques semaines, là, pour faire cette base-ci, qui va être en fait le 2e. Alors on va assembler ça. Et c'est go!
C'est déjà tout pour cette semaine. La semaine prochaine, on va recommencer un peu de rénovation. J'ai des plafonds à faire dans la maison. Cette semaine, ben, je suis pas mal content de ce que j'ai avancé, surtout encore dans le froid pas mal. Pour la température, pour le temps de l'année, c'était pas mal froid. Fait que j'ai fait de la base de mes barbecues. Je vais continuer un petit peu plus loin. Je pense que je vais continuer peut-être en fin de semaine. Fait que là-dessus, je vous dis au revoir la semaine prochaine. Puis revenez, soyez des nôtres parce que je vais avoir encore des superbes recettes. Fait que on se revoit la semaine prochaine. Faites attention à vous autres. Ciao.